Eh bien salut à tous et à toutes, c'est le Petit Cotouille et aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir pour l'épisode numéro 20 sur Feed the Beast. Alors comme d'habitude je ne suis pas seul. Oui, yeah. je suis là, toujours présent. Alors, eh ben, comme dit dans la précédente vidéo, on va vous présenter le système qui est là-bas, hein, évidemment. Hein. On ne pouvait pas partir sans vous le présenter. Donc du coup je pense que vous aurez les deux épisodes en même temps, puisque voilà, c'est mieux. De toute façon on n'a rien fait à entre, là on tourne direct après, donc c'est le but. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une solar turbine. Alors, ça produit pas des EU, ça produit pas des MJ, ça produit de l'énergie inconnue. Je sais pas comment elle s'appelle en fait, c'est l'énergie inconnue. Bref, cette énergie-là vient de Factorization. Donc, tu peux montrer le mode. Le craft, ouais, je l'ai montré, c'est bon. Sur NEI. Attends. Je vais montrer juste les crafts donc, des câbles. Pour vous situer un petit peu sur Factorization, c'est lui qui ajoute le Wars Briquette. En fait, le feu qui brûle tout, là. Même la dirt. Ah, attends, je Factorization... Si... Factorization... Non, c'est pas Factorization. Vous savez, le briquet de la mort qui tue, là, que tout le monde aime faire... Attends, tu l'as trouvé où dans Item Subject Factorization? Item Subject, Mode, Factorization. Après Extra Biomixel. Factorisation, si tu préfères. Ouais, mais je l'ai pas. Ah, attends. C'est en dessous de l'extra bio, XM. T'as 27 solar panel. Ouais, et bah, c'est ça me casse les burnes. Bon, bref. je vais prendre le briquet de la colère. Donc, voilà ce briquet. Oh. Et je vais faire cramer l'iron. Eh, c'est vrai, n'empêche. Je pourrais le faire cramer, ça donnerait de la Dark Iron. Ouais, non mais fais-le pas. Donc explique-nous le système. Déjà c'est quoi ces câbles déjà, je m'en souviens plus. C'est des lead wire. Voilà. Donc, des ça fait à partir du lead. Voilà, c'est super simple ne peut à pas faire. Voir à travers. Ah, tu te sens baiser, hein. Voilà. C'est vraiment simple. Bref. Donc, en gros. Donc, cette solar turbine, si on la poserait telle qu'elle, donc sur le sol, elle ne fonctionnerait pas. Pour que la solar turbine fonctionne, il faut qu'il y ait une source d'eau en dessous d'elle. Donc, comme vous pouvez le voir, elle vient d'absorber de l'eau. Ouais, vous faites une source d'eau infinie. Et que il y ait ces mirror reflector ou reflector mirror, je sais plus, un des deux. Reflective mirror. Donc, plus il y en a, plus la turbine va tourner vite. Voilà. Donc, tout simplement. Et ça va produire de l'énergie. Et cette énergie va dans cette machine là, donc c'est la seule machine qu'on va exploiter sans doute de ce mode, donc qui est le grinder. Voilà, grinder. Je montre. Non, c'est bon, je suis pas con. donc, ça, j'ai déjà montré comment on faisait. Hein. Bon, ça, c'est facile. Hein. Ouais. Donc, et la machine qui est au-dessus, c'est un igneous extruder. Donc, elle, c'est comme par exemple dans le jeu, donc Vanilla, vous savez bien que quand on met de la lave et de l'eau en contact, ça fait de la cobblestone, et on peut en avoir à l'infini. Et ben elle, ça fait ce système-là, mais réuni dans un seul bloc. Exactement. Et on peut demander de faire de la stone, mais si on demande de faire de la stone, alors les deux réservoirs, donc de lave et d'eau, vont commencer à être usés. Et idem pour l'obsidienne. L'obsidienne qui est usée beaucoup plus vite, évidemment, que la stone. Et la cobblestone qui n'est pas du tout usée. Tout simplement. Oui, ça stagne. Hein. Les deux niveaux d'eau restent tels quels. Oui. Donc, la même chose de l'autre côté, sauf qu'en dessous, c'est un macérator. Alors, le macérator, donc, quand on met de la cobblestone dans un macérator, ça fait du sable, donc, comme on peut voir passer dans le tuyau. Et le grinder, quand on passe de la cobble dans le grinder, ça fait du gravier. Et le gravier sert à faire du flint. Du flint qui est utilisé ici dans la production de TNT industriel. Ici, voilà, qu'on a mis. C'est magique. Voilà. Vous voyez, ça arrive ici en fait. On voit rien dans ces coffres parce que c'est direct expulsé en fait. C'est direct expulsé dans le système. Donc on n'a pas le temps de voir passer. Vous voyez, en dessous, il y a des fils avec le système là. Donc direct, poum, ça part. On n'a pas le temps de voir venir. D'ailleurs, si on regarde bien la sound, je crois qu'elle augmente constamment. Voilà, vous voyez, elle augmente constamment de 1 à 1. Pareil pour la cable.
Donc voilà, c'est la queue-balle, ça va plus vite par contre, parce qu'on a on a mis une nouvelle quarry dans un nouveau monde, donc ça va plus vite. Faudra aller, on vous fera voir en fin d'épisode. Vous verrez, c'est impressionnant la vitesse où elle va. Parce que, ah oui, bah on leur montrera aussi la salle d'énergie que t'as faite. Oui, effectivement. Bah ça, c'est une autre énergie en fait. On va pouvoir parler des MJ. Mais attends, je crois qu'il y a un truc pour voir c'est le nom de l'énergie. Je vais juste me la cheater, je vais juste casser juste après, vous inquiétez pas. Je vais vite regarder. Bridge. Je vais pas vous expliquer ce système-là, parce que ce serait trop compliqué à expliquer. Ouais, mais en gros, voilà, c'est pour faire de la TNT, enfin du flint, du sable, etc. à l'infini. En fait, tous ces systèmes-là, c'est pour faire des trucs à l'infini, en gros. Voilà, c'est un petit gadget bonus, bien très 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 utile. Tac. Ça s'appelle des FZ. Ok. Pourquoi pas. Bah ouais, FZ pour Factorization. Pourquoi pas. Bah voilà, comme ça on sait comment c'est. Ça s'appelle des FZ, voilà. Bon, bah on va pas rester là. Hein. Donc j'espère que vous avez compris ce système, c'est super simple. Alors vous pouvez bien sûr alimenter d'autres trucs, mais voilà. J'espère que vous avez compris, c'est un petit peu plus difficile à comprendre que ça. Mais bon, moi j'ai compris, ça va, c'est assez simple. Donc, voilà. En plus, c'est facile à crafter les espèces de PC là-bas. En fait, ça, je vais vous résumer. Ça nous fait de la cubble qui est envoyée. Pouf. Non, pas qui est envoyée. Bah, si, qui est envoyée ici. Ensuite, là aussi, on a le même système qui fait de la cubble. Pouf, c'est envoyé ici. Ensuite, là, j'ai dit là, on a un macérator. Quand la cubble qui vient de là est envoyée là, ça nous fait du sable. Donc, pouf, ça vient ici et c'est envoyé dans le système. Et là, pareil pour là, ça fait de la cubble et. Pouf pouf, ça fait direct du sable en fait. Ça et ça, ça sert à faire du sable en fait, ces deux trucs. Voilà. Alors, il y a un truc un peu spécial avec les Igneous Extruder et la série de machines donc, qu'il y a autour. Donc ça, les Igneous Extruder, c'est les machines de Factory. Voilà, donc comme Factorization, mais version Factory. Alors Factory, lui, utilise de l'énergie Bulkcraft. Sauf que les Igneous Extruder ne demandent pas d'énergie, étant donné que c'est juste un mélange de cobble et d'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un interdimensionnel ici. Ça, vous voyez, après, c'est alimenté avec des gros câbles ici. Donc voilà, ça c'est alimenté et ça c'est alimenté. Cheat. Non, même pas de cheat en plus. Non. Fuck that shit, j'ai dit. Ah. Parce que maintenant, c'est facile de créer les interdimensionnels avec le serveur qu'on a. Ouais, voilà, exactement. Parce que l'aquarie tourne H24, donc quand on se réveille le matin, toutes les blindes de ressources qu'on a, c'est abusé. C'est sur les lampes de 4, on se retrouve avec le double de ressources. Pour vous dire, on met à peu près 15 secondes à créer une iridium plate. Voilà. Ouais, même en pas sachant qu'il en faut combien? 8, 16, 24, 36. Il faut 36 iridium plates pour déjà les 4 AESU. Exactement, Philippe. Donc, on a fini avec ce système. On va vous montrer ensuite la production d'énergie avec les. Comment ça s'appelle ? EMG. Electrical Engine. Electrical Engine, voilà, mais un petit peu différent. C'est envoyé dans un. Energy Tesseract. Non, c'est. Non, pas Tesseract. Enfin, ah ouais, non. C'est un peu compliqué. Pour crafter ça, c'est un peu spécial. Parce qu'il faut un magma crucible. Donc, comme on a ici. Donc dans Max Crucible, vous devez mettre de la redstone et c'est enfin on va vous expliquer ça après. Je vous montre le craft du Tesseract. Hein, ça va, c'est assez simple. Hein. Ici, il y a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses particulières dans ce système. Alors, on va déjà expliquer la base de tout, qui est le moteur électrique. Donc c'est lui qui va produire le MJ. Alors, un moteur électrique de base va produire 2 MJ par tick. Ça va. Donc, et ici, on peut voir que ça produit 14 MJ par tick. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai mis une intrinsic blablabla circuit board qui contient plusieurs tubes d'électrons je pense que les connaisseurs d'IPR connaisseront. Voilà. En tin et en bronze, donc le tin, c'est Electrical Boost 1, et le bronze, c'est Electrical Boost 2. Et au total, il y a 2 de chaque, parce qu'on ne peut pas en mettre plus, en fait, par circuit. En sachant qu'ils sont tous presque, enfin, sauf un, avec le circuit comme ça. Donc en gros, ils produisent tous 14 MJ par tick, sauf un qui en produit 2.
Donc au total, vu qu'il y a 15 moteurs, il y en a 14 qui produisent 14. 14 x 14, ça on vous fait faites le calcul, hein, et puis vous avez combien on produit des énergies. Ça fait beaucoup. Ça fait plus de 100 MJ par type. Donc, ensuite, les MJ sont envoyés dans ce câble. Donc déjà, première chose particulière, le câble, donc c'est Redstone Conductive Pipe. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. C'est Redstone Energy Conduit. Oui, Energy Conductive Pipe. Enfin, attends, énergie. Donc ça s'appelle Redstone Energy Conduit. Voilà. Donc qui se craft à partir de énergie conduit en petit, donc vide, et de molten redstone. Attends, on n'a pas la même chose. Comment ça? Non, si, c'est bon. Donc ça se passe donc dans un liquide transposeur. Donc comment on craft énergie conduite en petit? C'est de l'électrum, de l'arsenide glace et encore de l'électrum. L'électrum, c'est de l'or et de l'or. Hein? Oui, c'est ça. De l'or et du silver dans un induction smelter. Voilà. Et le hardened glass, c'est du pulverized obsidienne et du lead, donc du plomb, dans un induction smelter. Il y a pas mal de recettes aussi, donc ça vous choisissez en fonction de vos ressources, mais c'est assez simple en fait. Donc voilà. Donc ensuite, là, avec on a ça, le liquide transposeur et là on a le magma crucible. Donc ça sert à nous. Voilà. Donc le magma crucible, donc vous allez mettre de la redstone donc à l'intérieur et ça va être transformé en liquide. Donc la redstone transformée en liquide va aller dans le réservoir à gauche, donc ce qui est en orange dans ce cas-ci. C'est du molten redstone. Quand on clique sur configuration, donc le rouage en cobble là sur la droite, on a une petite interface donc avec l'image du magma crucible et la sortie de droite, donc le côté droit, en orange. Donc ça veut dire que, vu que le réservoir ici est en orange, et que cette sortie-là est en orange, eh ben, le liquide qui se contient dans le réservoir va être transmis dans le liquide transposeur. Le liquide transposeur qu'on voit... En fait, ce qui est fait là est directement passé ici, en fait. Non. Ce qui est fait là. Oui, l'inverse, pardon, excuse-moi. Donc du coup, ça va faire du truc resto, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. De l'acide liquide, tout simplement. Voilà. Exactement. Donc ça c'est pour créer donc les tubes. Donc voilà, ensuite, cette énergie-là, donc qui est produite par les moteurs, donc on revient un petit peu au début, va être envoyée dans cette redstone energy cell, donc qui est comme une pile, mais pour l'énergie bulkcraft. Voilà, donc c'est important à dire que c'est l'énergie bulkcraft. Donc cette énergie cell contient ici 500 blablabla MJ. Donc il faut savoir que ça ici alimente la query et le quelques-uns des systèmes dans le serveur. Donc il y a ici en bas pour le traitement des objets. Voilà. Exactement. Franchement, l'interdimensionnel pour les queries, il n'y a rien de mieux. Oui. Mais sauf que nous on a mis un tesseract pour la query, on vous dira pourquoi. Bah, quand on ira voir la query déjà. Voilà. Donc et le tesseract, donc ici c'est un énergie tesseract, donc il y a trois types de tesseract, il y a item tesseract, liquide tesseract et énergie tesseract. Voilà. Donc ils sont tous créés à peu près de la même manière, à peu près. Hein. Il y a toujours un petit truc qui différencie hein, évidemment pour pouvoir faire les tesseract. Donc les Tesseract ont besoin de Tesseract Frame, évidemment, qui se font en partie de teint, d'ardennes glaces. Bon, les crafts, on vous laisse regarder, hein, vous n'êtes pas idiots non plus. Mm-hmm. Donc, ensuite, il faut remplir cette frame, donc ce Tesseract Frame, par des perles d'ender liquides. Donc, et c'est là qu'on retrouve notre cher magma crucible derrière vous, qui se retrouve ainsi dans... Donc ici, à la place de mettre de la redstone, on va mettre des perles d'under. Donc ce qu'on obtient quand on tue des... C'est pour ça qu'on veut faire une ferme à ender comme le truc de creeper, etc. Voilà, mais pour ça, ce sera plus facile d'aller dans l'end. Hein. Ce qui veut dire que vous allez sans doute avoir un petit épisode spécial dans l'end. Sur du boss de l'end.
Exactement. Ça va être extrêmement simple en fait avec les gravures. Ouais, ça va être le Ender Dragon, il va se faire botter le cul. Dans ce mode, il doit se sentir un peu à poil quand même. Ouais. Par rapport à Bob et Fanta qui ont détruit l'Ender en 40 minutes. En fait, ça va être l'inverse, c'est nous qui allons le poursuivre. Genre, viens là, sois mon animal de compagnie. Et lui, il va fuir. Voilà, exactement. Bon, bref, voilà. Donc maintenant, on va aller voir. Qu'est-ce que ce Tesseract alimente de plus important? Parce que c'est l'aquarie. Oui, c'est ça, l'aquarie. L'aquarie. Donc là, on a fait un monde. Voir que ça va plutôt vite. Là, on a fait un monde. Alors, comment créer un monde avec le nouveau Miscraft? On a déjà fait un tuto dessus. Allez le voir. Voilà. Ouais. Allez le voir. Il est très bien et très bien fait. Voilà. Donc là, voici l'aquarie. Alors, on va montrer le système avant de montrer l'aquarie en elle-même. Donc là, on a toujours nos bons vieux coffres, hein, la bonne vieille franquette. Un monde où je ne l'aime pas. Excusez-moi. Et là, voilà, on retrouve notre Tesseract, notre Tesseract à côté de la Quarry. Donc, c'est en fait le Tesseract d'un monde à un autre peut quand même alimenter quelque chose. C'est ça qui est bien. Voilà. Et donc, voilà, vous retrouvez la même configuration que dans l'autre Tesseract. T'inquiète pas, on a désactivé les dégâts des Creepers. Enfin, ils cassent rien. La vitesse à laquelle arrivent les. Regardez la Quarry. C'est impressionnant la vitesse. Bon, il y a des petits lags. Hein. Là, elle va doucement, mais vous allez voir, elle va vite accélérer. Voilà, donc ça va vite, un truc de fou. Ouais, donc cette énergie a que du bon. Les objets dans le pipe. Ouais, cette énergie n'a que du bon, donc voilà. Je vous la conseille franchement pour faire pour alors, pour vous quoi. Aussi sur les énergies Tesseract, enfin sur les Tesseract en fait en eux-mêmes, c'est qu'ils doivent être branchés sur des fréquences. Alors ici, vous pouvez par exemple, je vais mettre fréquence 2. Ensuite, il faut appuyer sur cette fréquence, voilà. Ensuite, il faut mettre donc le nom que vous voulez pour la fréquence. Donc, on va mettre 2, voilà, parce que c'est... Et vous faites ajouter, et hop, on voit que l'énergie Tesseract est branchée sur la fréquence numéro 2. Maintenant, je vais mettre MJ Frequency. Ensuite, il faut mettre... Pardon, excuse-moi. Donc, ensuite, il faut mettre cette fréquence-ci, parce que sinon, ça va pas passer à la fréquence... Les fréquences que vous voulez. En fait, en gros, faut que si vous voulez que deux Tesseract soient branchés entre eux, donc aient la même énergie, faut mettre la même fréquence. Voilà. Exactement. Voilà, c'est donc, un peu le même système qu'on avait vu avant. Et donc, on peut revoir deux onglets sur la droite. Donc, Redstone Control, ça c'est pas très important. Et Configuration, donc ça, c'est comme on a vu. Donc, là, vous pouvez faire plusieurs trucs. Donc, déjà. Je peux dire que les autres, pouf, là, si vous quittez et que vous essayez de revenir, vous verrez Owner Andy, normalement. Ou vous ne pouvez pas accéder. Non, moi, je peux y accéder. Moi, je peux y accéder. Oui, bon, voilà. Non, mais c'est parce que je ne l'ai pas quitté. Ouais, bon. Je ne le quitterai jamais. Donc, ensuite, donc, voilà, donc, public ou privé, donc, au niveau de l'accès, donc, ça, c'est le cadenas. Et ensuite, à côté, donc, ici, on voit qu'il y a juste la flèche bleue qui est en surbrillance. Mais en fait, il y a deux flèches qui sont la flèche orange et la flèche bleue. Donc on peut voir que la flèche bleue pointe vers le bas et la flèche jaune vers le haut. Donc c'est très simple. La flèche bleue, c'est pour recevoir et la flèche jaune, c'est pour envoyer de l'énergie. Enfin, dans ce cas-ci. Alors, vous pouvez en choisir plusieurs. Donc ici, j'ai sélectionné envoyer et recevoir automatiquement. Bon viol, Jérémy. Mais donc ici j'ai mis peur. Que ça ne peut uniquement peur, je vous sauve la vie. Bah non, c'est en fait. Bon. Merci les mobs. Donc ici transport mode, donc Saint-Denis, ça veut dire que ça ne peut qu'envoyer de l'énergie. À mort. Et ici ça ne peut que recevoir de l'énergie. Voilà, tout simplement. Ouais, voilà. Donc en fait l'autre étant envoyé en fait, notre autre Tesseract, si j'ai bien compris. Oui. L'autre Tesseract est uniquement en envoyé. Ouais, et en fait, le Tesseract qu'on a dans notre base envoie de l'énergie à ce Tesseract. Et si vous en mettez un autre avec la même fréquence, bah ça lui enverra pareil de l'énergie, mais sauf que là, votre énergie sera divisée par deux, parce qu'il faut qu'il distribue à plusieurs Tesseract. Mourez, pourriture de communiste. Excusez-moi. Connard, meurt. Voilà, donc c'était un petit peu plus compliqué que la tour à mob, je vous l'accorde. Au pire, regardez le tuto, c'est dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. Au pire, et puis faites des essais, hein. Puis voilà, faites pas chier aussi. Faites des essais, le seul moyen d'y arriver c'est en essayant. Donc voilà, si vous y arrivez vraiment pas, bah essayez. Voilà.
Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut vous dire là-dessus. On espère que ça vous aura aidé en tout cas. Je vous conseille l'énergie des Tesseract parce que vous voyez que c'est beaucoup plus efficace que l'énergie qu'on avait mise avant. Ouais, il y a un arbre qui commence à cramer là. Pour rien. Bref. Donc, il faut, ouais, ce qu'il faut ouais. savoir aussi. Pardon ? Ta non. gueule. Ta gueule, Jérémy. Donc ce qu'il faut savoir aussi sur les Tesseract, c'est que plus la distance est élevée entre les deux, plus. La perte d'énergie sera grande. Voilà. Ça, c'est faut savoir. Et en gros, quand un Tesseract envoie un autre Tesseract, mais dans un autre monde, plus, enfin, en fait, si vous voulez, la distance est en fait, je crois, doublée ou quadruplée. Je ne sais plus. Faudrait que j'aille vérifier. Ça, c'est démultiplié d'un monde à l'autre. Voilà. Voilà. Non, non, au contraire. Plus la distance est. Ah oui, démultiplié, oui, excuse-moi. Donc pas voilà. Multiplier, démultiplier. C'est tout bénef. Alors aussi, on va vous montrer. Là, je suis retourné dans le monde normal. Hein. Je non, c'est pas bénef, tu rigoles. Oui, c'est pas bénef, pardon. Excuse-moi. Donc en fait, je vais vous montrer un petit peu la production que ça fait en haut. Et sachant ça, ça toute la nuit. Hein. Vous imaginez, ça va super vite en gros. Ouais, là, ça a du mal à se vider. D'ailleurs, il y a une Rocky Drone là, dans le coffre. Pardon? Il y a une abeille Rocky Drone, ça va être intéressé, je pense. Donc voilà, tout est trivé, ça a du mal à se vider. Où est-ce que tu vois qu'il y a une abeille, toi? Ah bah, elle s'est barrée. Non, non, mais dans le monde normal, là, où derrière le... Ah, ok. Là, ici, enfin, elle s'est barrée dans le système. Mais voilà, vous voyez, ça produit énormément. Bon, là, ça s'est vidé. Mais voilà, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment super pratique. Donc voilà, après vous imaginez si on met plusieurs quarries, etc. Donc ça pourrait aller très très vite. Donc voilà, ça en est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura aidé, voire plus. Désolé, il était un petit peu compliqué, désolé, hein, on s'excuse. Mais on peut pas faire autrement, voilà, c'est le mode en lui-même qui est compliqué. Donc voilà, on aura fait au mieux. En tout cas, bah j'espère que ça vous aura plu. Merci Andy, merci à mon frère qui a fait acte de présence. Je vous emmerde, j'ai tué des monstres, ça compte. Voilà, donc un gros merci à Andy qui est plus fort dans ce genre de mode que nous. Donc bah voilà, merci à tous d'avoir regardé. Puis un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye à tous. Bye. Tchuss.